voulais remarquer ces trois semaines, on a parlé des choses qui ont tous attrait à l'humilité. Amen. Si vous vous rappelez, on a fait un enseignement. Le thème était ta volonté, n'est-ce pas, ou la volonté de Dieu. Dans la prière du Seigneur, la Bible dit que ton règne vienne. Alléluia, que ton règne vienne. Vienne sur nous. Donc automatiquement, n'est-ce pas, nous sommes sous son règne, nous acceptons le règne de Dieu et que ta volonté, n'est-ce pas, soit faite sur la terre. Comme cette volonté est déjà faite dans les cieux. Donc, dans les cieux, c'est une parfaite harmonie que sa volonté soit faite sur la terre, parce que c'est là qu'il y a un problème. De la même manière que cette volonté, n'est-ce pas, est faite au ciel. Donc, quand tu n'as pas de volonté, je n'ai pas de volonté, notre volonté, n'est-ce pas, est sous la couverture du Saint-Esprit. Ce que Dieu dit de faire, tu fais. Le patriarche Abraham a répondu, n'est-ce pas, à l'appel de Dieu, est rentré dans la volonté de Dieu lorsque Dieu lui a dit, quitte ta famille, quitte ta parenté et va dans un lieu que je te montrerai. Et il n'a pas hésité. Abraham, sachant qu'il est sous le règne de Dieu, automatiquement a obéi à qui? À la volonté de Dieu. Lorsqu'il fallait, n'est-ce pas, offrir son fils Isaac, il n'a pas parlementé avec Dieu. Il a dit, oui Seigneur, je suis sous ta volonté, je vais aller offrir, n'est-ce pas, mon fils. Et toutefois que nous sommes sous la volonté de Dieu est toujours parfaite. Amen. Elle n'est pas mauvaise. Dans le malheur, comme dans le bonheur, dans les pleurs, n'est-ce pas, comme dans les rires, la volonté de Dieu est toujours parfaite parce qu'il est le seul qui connaît, n'est-ce pas, le futur. Il sait ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour moi. C'est de ça qu'on a parlé il y a deux semaines. Le samedi passé, il y a beaucoup n'étaient pas là. C'est un enseignement que je vais reprendre encore le samedi prochain. Et on a parlé du temps de Dieu. Alléluia. Être, n'est-ce pas, sur le temps de Dieu. Le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu, c'est-à-dire le temps kairos. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de croire que nous allons marcher avec notre propre temps. Alléluia. Demain, je ferai ici. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. Vous dites que demain, je vais aller faire ceci, je vais aller faire du commerce, je vais aller faire ceci. Mais tu ne sais même pas, n'est-ce pas, si tu vas vivre. Donc, il dit, insensé que nous sommes, ce que nous devons dire, si Dieu le veut. Et si Dieu le veut, n'est-ce pas, ça rentre automatiquement dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps kairos. Il y a deux temps. Nous sommes sous le temps, quoi? Sous le temps chrono. C'est-à-dire qu'il est en ce moment 19h25. Nous sommes sous ce temps-là. Et l'enseignement a commencé à 19h25. On me dit que je peux rester jusqu'à 21h, peut-être à 20h45. Alléluia. Donc, c'est le temps chrono. Je sais quand je commence, amen, et je sais quand je finis. Mais ce temps-là, n'est-ce pas, n'est pas parfait. J'ai pris l'exemple, par exemple, sur des pays africains. À la fin du mois, chaque fonctionnaire doit recevoir, n'est-ce pas, sa paye. Alléluia. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de pays africains où les fonctionnaires, chaque fin du mois, ne reçoivent pas leur paye. Ils sont dans le temps chrono. Alors que Dieu, dans son temps, n'est-ce pas, le temps kairos, automatiquement, tu auras ce qu'il a prévu pour toi. Et vous vous rappelez très bien, j'ai pris l'exemple de Habakkuk 2, verset 3, n'est-ce pas. Et j'ai dit que c'est un point qu'Habakkuk, le prophète, qui disait que cette promesse, les temps sont déjà fixés, n'est-ce pas? Et que la promesse court vers son terme, n'est-ce pas? Et que c'est une promesse qui est vérité, et que si elle tarde, il faut l'attendre, parce que ça va arriver. Et ça, c'est quel temps? C'est le temps de Dieu, le temps kairos. Et Habakkuk, au chapitre 3, automatiquement, élève la voix et dit, Seigneur, que ta promesse, n'est-ce pas, puisse se réaliser selon le cours des années. Mais ne vous inquiétez pas, on va reprendre cet enseignement le samedi prochain. Donc, tous ces deux-là viennent de l'humilité, alléluia. Parce que lorsque l'orgueil est en toi, tu ne peux pas rentrer dans la volonté de Dieu. Lorsque l'orgueil est en toi, tu ne peux pas vivre, n'est-ce pas, selon le temps de Dieu.
et tu es toujours pressé, et tu, généralement tu prends le raccourci. Et c'est ce que Sarah a fait faire à Abraham, alléluia, pour que Abraham puisse prendre le raccourci en passant, n'est-ce pas, par qui? Par sa servante, et nous savons, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Donc, quand le temps Kairos, c'est le vrai temps, le temps de Dieu, le temps vrai. Et tout cela vient dans l'humilité. On ne parlait pas de l'humilité, on en a beaucoup parlé. On sait ce que c'est qu'être humble, on sait ce que c'est qu'être orgueilleux. Amen. Amen. Donc ce soir, on va parler d'une autre, dans l'humilité, mais sous une autre forme. L'humilité, n'est-ce pas, de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. L'humilité, n'est-ce pas, de la connaissance de la parole de Dieu. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce que sans l'humilité, il est difficile. Parce que dans l'église aujourd'hui, je vous assure que les gens croient qu'ils connaissent. Alléluia. Même quand un prédicateur est en train de prêcher, oh, je connais, je n'ai pas besoin. Oh non, ne me donne pas de révélation. Tu as un message, ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu as un message pour des frères, des soeurs, tu vois, tu leur donnes le message. Non, moi aussi Dieu me parle. Amen. Non. Donc, ça c'est l'orgueil, n'est-ce pas, dans la connaissance de Dieu. Parce que n'importe qui peut te parler, même Dieu peut prendre un fou, alléluia, pour venir te parler. C'est-à-dire que si en tant que chrétien, on n'a pas compris ça, nous serons vraiment les derniers. Et il a dit que les premiers, n'est-ce pas, seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et qui ne fait pas de favoritisme, amen, non. Pas parce que tu es dans l'église il y a 30, il y a 40 ans, que tu es au-dessus de celui qui vient d'arriver à l'église, amen, non. Tout dépend de la manière dont celui qui est en face de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a cette intimité avec Dieu? C'est très, très, très important. Tu as la première place. Ça, ce sont les hommes qui t'ont donné cette première place. Mais quelle est ta place dans le Seigneur? Voilà pourquoi la Bible dit que ne vous pressez pas à prendre, n'est-ce pas, les premières places. Amen. Amen. Parce que la vraie première place, n'est-ce pas, c'est la place que Dieu te donne. Amen. Amen. Donc ce soir, c'est de ça que nous allons parler. Et que Dieu vraiment puisse nous assister pour que nous puissions comprendre. C'est, je vous assure que ce message-là, jusqu'à ce matin, je n'avais pas le thème. Je savais, voilà comment je prépare mes enseignements en général. Je sais de quoi je vais parler, alléluia. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'ai même pas le thème, amen. Pas le thème, rien. Je sais, la chose est à moi. Mais comment faire, n'est-ce pas, pour faire sortir? Je n'ai pas envie de réfléchir avec mon intelligence. Je n'ai pas envie d'aller sur Google, n'est-ce pas? Je veux que Dieu lui-même me donne la parole. Ce matin, je me suis réveillé tôt, je suis allé à la chapelle. Et Dieu merci, les frères et sœurs sont venus me rejoindre, on a prié. C'est au cours de la prière que j'ai reçu ce thème-là, l'humilité dans la connaissance de la parole parfaite de Dieu. Amen. Amen. Donc ce soir, que Dieu vraiment puisse nous assister pour que nous puissions comprendre. Ne soyons pas orgueilleux. Non, je ne connais plus que celui-là. Non, celui-là, c'est un pécheur. Non. C'est une erreur que nous commettons en tant que chrétien. Le chrétien, n'est-ce pas, doit être humble dans la connaissance de Dieu. Je t'ai donné une grande connaissance. Peut-être qu'on t'appelle archibishop. Des titres qu'on te donne, docteur, quel que soit le titre qu'on te donne, mais un plus petit peut venir te parler. Mais non, il peut venir te donner des révélations. Dieu s'en fout. Parce que celui, n'est-ce pas, qui a la connaissance parfaite s'appelle Dieu. Il est le seul. Il est le seul qui a la connaissance parfaite. Aucun homme n'a une connaissance parfaite. C'est pas possible. Donc tu ne connais pas tout. Voilà pourquoi quand vous lisez le psaume, pas le psaume, 1 Corinthiens 13, il dit vous connaissez en partie. Nous connaissons comment? En partie. Donc l'autre partie que tu ne connais pas, le fou peut avoir cette partie-là. Alléluia. Et puis il vient te donner la révélation. Mais non. Donc soyons vraiment humbles. Écoutons les enfants. Écoutons ceux que nous croyons, n'est-ce pas, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Non. Dieu peut passer par n'importe qui vous parlez. Tu es ici, quelqu'un est quelque part d'autre, il a une révélation, alléluia, automatiquement il t'annonce. Dieu sait ce qu'il fait pour toi. Et écoute, voilà pourquoi la Bible dit, ne rejetez pas les prophéties, alléluia, mais examinez-les, prenez ce qui est bon et rejetez, n'est-ce pas, ce qui est mauvais. Lorsque nous prenons par exemple, le livre, n'est-ce pas, de Osée 4-6, c'est pas la peine, on connaît ce livre-là, tout le monde connaît de quoi on parle. Donc, sans le Réma, alléluia, avant d'arriver à Osée, mais on va dire ça va pas arriver. Sans le Réma, parce que, fais très attention, amen. Non. Cette parole-là, je vais d'abord te dire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances, point. Mon peuple est quoi? Détruit parce qu'il lui manque de connaissances.
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Écoutez très bien. J'oublierai qui? Tes enfants. Amen. Ça veut dire que le christianisme, là, si tu ne fais pas bien, ce n'est pas toi seul qui vas payer le prix. Même les enfants. Voilà pourquoi il faut être égoïste de ne pas suivre le Seigneur. Si tu ne suis pas Jésus-Christ, ça veut dire que tu n'aimes pas tes enfants. Tu n'aimes pas tes descendants. C'est eux qui vont payer le prix. Voilà pourquoi il y a des personnes, il y a des familles. Regardez, il y a des familles où les enfants ne prient pas. Amen. Les enfants ne prient pas. Mais les parents sont tellement dans le Seigneur. Vous allez constater que Dieu pourvoit aux besoins des enfants. Dieu fait que ces enfants sont intelligents. Et puis remarquez, à un moment donné de la vie, ces enfants-là reviennent à Dieu. Amen. Pourquoi? À cause de l'intimité que les parents ont avec leurs enfants. Voilà pourquoi, si tu aimes tes enfants, tu aimes tes descendants, tu aimes tes petits-enfants, je vous assure, c'est pas bon d'être loin de la face de Dieu. Voilà ce qu'il a dit. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai toi aussi et j'oublierai tes enfants. Amen. Mon frère, c'était le message, c'était le sérieux. J'oublierai tes enfants. Amen. Ça nous fait prendre conscience. Amen. Il parle d'une connaissance ici. Quelle est la connaissance? La parole a deux parties de la connaissance. Amen. Voici ce livre qu'on appelle. Comment on appelle ce livre-là? La quoi? La Bible. La Bible est remplie de quoi? De la parole de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible a été une inspiration divine. Amen. Amen. Et ce que tu as dans cette parole, comment on appelle ça? Le logos. Amen. Amen. Ce que tu as dans cette parole-là, dans ce livre-là, tout ce qui est dans ce livre-là s'appelle le logos. L'information. Alléluia. C'est ce qui est là. The Word of God. Maintenant, Alain, tu peux connaître ce livre-là. Tu peux lire ce livre-là, mais sans avoir la connaissance de ce livre. Donc, donnez-moi quel est ce livre dans le monde que tu peux lire pendant des années et des années, et toujours, il y a une nouvelle information dans le livre. Cela doit nous dire déjà que Jésus-Christ, que le christianisme est vrai. Alléluia. C'est qu'on n'a pas besoin de voir des choses, des miracles, un fou guérir, un paralytique marcher. On n'en a pas besoin. Un livre, on est tous partis à l'école. Tu ne peux pas lire un livre. La première fois que tu lis un livre, tu es excité. Alléluia. La deuxième fois, troisième fois, tu n'arrives même pas à lire parce que tu connais. Mais ce même livre, ce livre que tu lis matin, midi, soir, il dit que ce livre, n'est-ce pas, ne s'éloigne pas de toi. Médite-la, lis-la, jour et nuit. Amen. Le même livre. Le même livre qui existe pour l'Ancien Testament, il y a 2018 ans. Et non, pour le Nouveau Testament, il y a 2018 ans. Mais pour l'Ancien Testament, depuis le temps d'Abraham, alléluia. Depuis même le temps de, comment il s'appelle, Adam et Ève. Mais ce livre-là, en qui nous trouvons des révélations nouvelles chaque fois. Amen. Donc, si tu peux lire ce livre-là sans comprendre. Tu peux lire, tu ne peux pas comprendre, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, c'est le logos. En anglais, on dit, that's the word of God. Alléluia. Amen. Nous, nous disons que c'est la parole de Dieu. Le logos, c'est l'information qui est à l'intérieur. Tu peux lire et ne pas comprendre. Et si tu peux lire, tu n'as aucune connaissance. Tu es zéro. Voilà pourquoi les historiens ne sont pas des chrétiens. Alléluia. Mais les historiens connaissent la Bible. Amen. Amen. Ils connaissent la Bible. Ils connaissent le contexte. Eux-mêmes, ils disent, il y a un seul livre religieux sur la terre où il y a un contexte. Où on sait où ça a commencé. Alléluia. Où c'est passé et où c'est arrivé. Le seul livre, c'est un livre d'histoire. Alléluia. Où il y a un contexte. Voilà comment le christianisme est venu. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu a créé, n'est-ce pas, Adam et Ève. Et après, cela ne passe pas Noé. Amen. Après Noé, les sept sont arrivés. Et tous ont échoué à part Noé. Et on arrive à Abraham. Alléluia. Abraham qui vivait, n'est-ce pas, dans l'idolâtrie avec qui? Avec ses parents. Amen. Et automatiquement, Dieu dit à Abraham, quitte ton. Dieu a regardé dans le cœur de ce monsieur-là. Et il a compris qu'il vivait parmi les idolâtres. Amen. Et il a compris que ce monsieur-là pouvait faire beaucoup de choses pour lui. Pour lui dans le Seigneur. Et il a répondu à l'appel. Et on passe par Abraham,
on arrive à Isaac et Jacob, tout cela c'est une histoire, alléluia. Jusqu'à ce qu'on passe, on arrive à Moïse, qui est la deux, parce que c'est notre nation. D'Abraham jusqu'à Jacob, alléluia, il n'était pas sous la loi. La loi a commencé avec qui? Moïse. Donc, jusqu'à Jacob, même pas Jacob, on passe encore Jacob, alléluia, jusqu'aux 12 patriarches qu'on appelle les 12 enfants de Jacob, on n'était pas là-bas, alléluia. C'est à partir de Moïse que l'ancienne loi commence, la loi commence dans l'Ancien Testament. Et ça va jusqu'à où? Jusqu'à où? Jusqu'à, il s'appelle Jean le Baptiste. Amen. On dit parmi les enfants nés de femmes, il n'y a pas un qui peut être supérieur à qui? À Jean-Baptiste. Mais dans le royaume, alléluia, il est le plus petit. Gloire à Dieu. Maintenant, après, on vient au Nouveau Testament. Mais c'est le seul livre. Les autres livres, qu'est-ce qu'on dit? J'ai dormi, j'ai fait un son, j'étais dans une grotte, il y a eu des révélations. On peut comparer les autres livres au Somme. Le Somme, il n'y a pas de conteste, amen. C'est le seul livre, on peut dire qu'il n'y a pas de conteste, parce que c'est une prière. Et c'est comme ça, presque toutes les autres religions, automatiquement, tu lis, il n'y a rien, tu ne trouves pas. Mais là, je vous dis toujours, lisez, lisons la Bible de la Genèse, n'est-ce pas, jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir que c'est une histoire vraie. Et ça va commencer, ça va fortifier notre foi. Une femme comme Ruth, qui a suivi aveuglement sa maîtresse, qu'on appelait comment? Naomi. Mais c'est de cette femme-là que la descendante de Jésus qui s'est venue. Alléluia, de Boaz. Donc ce livre-là a une histoire. Donc ce livre-là parle. Ce livre-là révèle des choses que toi et moi nous ne connaissons pas. Mais pour connaître ces choses-là, il y a des manières de faire. Il y a une manière, n'est-ce pas, de se comporter pour que Dieu puisse se révéler, n'est-ce pas? Parce que souvent compris, j'ai reçu une parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu? Dieu dit, il faut lire Ésaïe 35, verset 3. C'est tout. Et quand tu lis Ésaïe 35, verset 3, automatiquement, ça colle, n'est-ce pas, avec ton sujet, avec le problème que tu traverses. C'est très, très important. Maintenant, à travers ce livre, alléluia, il y a quelque chose qu'on appelle le Réma. Le Réma est mieux expliqué dans la langue anglaise, n'est-ce pas, que dans la langue française. Que c'est une spoken word of God. La parole parlée. Alléluia. Je parle par exemple, dit le serpent aura la poussière pour nourriture. C'est un livre. Mais qu'est-ce que ça t'a dit? C'est le Réma maintenant qui te dit maintenant ce que ça veut dire. Alléluia. Et nous, on appelle le Réma quoi? La révélation. Donc, chez les chrétiens, en anglais, on dit Logos is the word of God. Et Réma is a spoken word of God. Dieu parle. Dieu te donne des révélations pour que tu puisses comprendre. Voilà comment un chrétien, n'est-ce pas, peut acquérir quoi? Peut acquérir la connaissance. Et lorsque ta connaissance vient du Réma, automatiquement, l'humilité va t'envahir. Amen. Aucun esprit d'orgueil ne peut avoir accès à toi. Pas possible, hein? Pas possible. Parce que tu es dans le Réma. Voilà pourquoi on dit méditer la parole de Dieu. Alléluia. Et le Réma n'est pas audible. Alléluia. Ça peut être audible. Imaginons, c'est pas audible. C'est une réponse qui te parle dans le cœur. Amen. Amen. Et lorsque tu vis sur le Réma, tu n'es plus la même personne. Disait que Dieu ne me parle pas. Mais Dieu parle à tout le monde. Mais il ne te parle pas parce que tu ne lis pas la Bible. Alléluia. Tu n'ouvres pas la Bible. Il y a un homme de Dieu qui dit que lorsque tu lis la Bible, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Tu ouvres la bouche de Dieu, je ne me répète pas. Lorsque tu ne lis plus la Bible, n'est-ce pas? C'est comme tu fermes la bouche de Dieu. Amen. Amen. C'est un homme de Dieu que j'aime bien. Il dit, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu ouvres la bouche de Dieu. Lorsque tu fermes la Bible, automatiquement, tu fermes la bouche de Dieu. Alléluia. Donc maintenant, on est d'accord avec on peut commencer à l'enseignement maintenant. On va voir quelqu'un dans la Bible, n'est-ce pas, qui n'avait pas le Réma. Amen. Qui avait le Logos.
qu'on appelait Nicodème. Il avait le logos, un docteur de la loi. Il connaissait la loi. Il connaissait tout ce qui était écrit, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, dans sa parole. La Bible dit, je vais lire Jean 3, au verset 1. Jean 3, au verset 1, on peut écrire, je vais lire. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Alléluia. Le pharisien nommé Nicodème. Un chef des juifs. Il n'était pas n'importe quel pharisien. Il était un chef des pharisiens, un chef des juifs. Alléluia. Amen. La Bible dit qui vint, verset 2, lui après Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Voici un docteur de la loi qui ne comprend pas ce que Jésus-Christ est en train de dire. Alors que s'il partait seulement lire Ésaïe, alléluia, qui fait partie des livres de la Torah, il allait comprendre, n'est-ce pas, ce que Jésus-Christ est en train de dire. Mais écoutez au verset 10, je saute quoi. Au verset 10, écoutez ce que Jésus-Christ va répondre à ce monsieur. Jésus lui répondit: tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Tu es enfant de Dieu. Tu viens à l'église tous les jours. La Bible est collée à ton cœur. Quand on voit dans ta voiture, c'est les versets bibliques. Et tu ne connais pas ces versets. Je vous assure, mon frère, ma soeur, on peut écouter tout son enseignement. Alléluia. Mais si nous voulons grandir spirituellement, que ce livre ne s'éloigne pas de nous. Que nous méditons ce livre. C'est dans ce livre que nous avons la paix. C'est dans ce livre que nous avons la vie. C'est dans ce livre que nous grandissons. À condition que nous puissions avoir le rhéma, la révélation qui se dit à travers ce livre. C'est ce livre qui m'a sauvé, alléluia. C'est ce livre que je lis. Demandons aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens, je peux même dire 80% des chrétiens, peuvent passer des jours sans lire la parole de Dieu. Ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Priez sans cesse. Mais quand tu pries sans cesse, tu fais quoi après? Tu ne lis pas la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous prions? Qui nous dit de prier? Qui nous montre de prier? C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Qui nous dit que? Qui nous dit faites attention aux prophéties? C'est qui? C'est la parole de Dieu. Qui nous dit qu'il faut jeûner? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Qui nous dit qu'il faut être humble? C'est la parole de Dieu. Parce que dans le monde, il n'y a pas d'humilité, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ça n'existe pas. C'est l'orgueil. Tu sais qui je suis. Tu me connais, moi. Qui es-tu? Homme, femme, rempli de chair et d'ossements. C'est ce que tu es. Un jour, tu deviendras poussière dans la main des inconnus. Ils te verront nu. Ils vont te laver. Alléluia. Qui es-tu? Qui nous sommes? Voici un docteur de la loi. Jésus-Christ nous dit: toi, Nicodème, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses élémentaires. J'espère que nous sommes dans ce cas-là. Tu prends ma Bible, il y a beaucoup de parties de ma Bible où je mets des points d'interrogation, alléluia. Point d'interrogation, ça veut dire que j'ai lu, relu, mais je ne comprends pas. Je n'ai pas envie de donner une interprétation humaine. Je mets un point d'interrogation et je prie. Souvent j'appelle les frères et sœurs et on partage. Souvent c'est en partageant, alléluia, que automatiquement je reçois. Amen. Amen. C'est ça la Bible. C'est la vie. Il est venu dans la vie, alléluia. La vie, c'est sa parole. C'est le pain de vie, la parole de Dieu. Tout a été fait par
la parole de Dieu. Nous avons été créés par la parole de Dieu. Nous sommes sur la terre par la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole a été était Dieu. La parole a été faite chair. Elle a vécu parmi nous pleine de plénitude. Amen. La parole est la vérité. Amen. Nous devons pas s'éloigner de la parole de Dieu. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Tu es docteur d'Israël. Et tu ne connais pas ces choses. Jésus répond maintenant. Va l'enseigner facilement, doucement. Pour dire que tu es un docteur. Il y a combien de docteurs dans le christianisme qui ne connaissent même pas le béaba de l'église, de la parole de Dieu. Tout ce qu'ils savent demander, l'argent. Ils ne savent pas que c'est le livre de vie, alléluia. Parce que aussi longtemps que tu annonces la parole de Dieu et que tu ne crois pas ce que tu fais, tu annonces la parole de Dieu, dans ton subconscient, tu cherches l'argent, alléluia. Comment faire pour donner les versets, pour que je puisse être riche, mon ami, tu es comme Nicodème. Nicodème au moins, alléluia, il allait vers Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Amen. Combien de personnes qui sont docteurs et qui ne connaissent pas? Jésus dit, au verset 7, je me remonte, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tous ceux qui lisent la parole de Dieu avec le logos n'ont pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Pas du tout. La Bible nous dit quoi? Lorsque le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Quels sont ses attributs? Ceux qui viennent à nos conférences du Cénacle doivent savoir qu'est-ce qu'il fait pour nous. Le Saint-Esprit va vous guider. Il va vous montrer des choses qui sont cachées. C'est ça. Voilà Dieu. Nicolas ne comprend pas. Il ne sait pas ce que c'est. Alléluia. Parce que le rhéma est seulement donné à tous ceux qui sont intimes à Dieu. Amen. Écoutez-moi. Amen. Je ne peux pas te comparer à quelqu'un. Alléluia. Quand c'est cette vérité, c'est pas une histoire de comparaison. Tu ne peux pas dire que tu es comparé à quelqu'un qui se prive de sommeil, mon frère, ma soeur. Au moment où le sommeil est bon, vers 3h du matin, 4h du matin, ce monsieur-là, il sait qu'il va travailler à 6h du matin, à 7h. Il s'est pris de sommeil. Et puis, il vient devant Dieu. Ça me rappelle une femme qui est en train d'allaiter, mon frère, ma soeur. Regardez une femme qui est en train d'allaiter. Les enfants ne sont pas dans le temps chrono, mon frère, ma soeur. Les enfants ne mangent pas le matin à 6h, 7h, le déjeuner. Ils ne mangent pas à midi, ils ne mangent pas à 20h. Eux, ils sont dans le temps... Quoi? Le temps Kairos. Quand ils ont faim, ils se lèvent. Alléluia. Donc, et regardez cette femme-là qui se lève. Toutes les femmes qui ont eu des enfants, de quoi je parle? Qui se lèvent à 3h du matin. Et regardez la maman qui donne à téter à son enfant pour être en train de somnoler. Un homme comme ça se lève. Une femme comme ça se lève. C'est seulement par cette intimité avec Dieu. Mais est-ce que vous croyez que celui qui se lève à des heures indues, je ne vous ai pas dit de vous lever à des heures indues? Ce n'est pas par la force. Il faut toi-même accepter de le faire. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas que ça. Je vous dis que c'est seulement par cette intimité, par cette relation avec Dieu, mon frère et ma soeur, que tu peux avoir ce rhéma. Tu peux avoir, n'est-ce pas, ce don, de cet esprit de discernement qui va permettre que tu ne puisses pas faire les choses dans la chair. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seulement par le rhéma, mon frère, ma soeur, que tu peux le faire. Alléluia. Sans le rhéma, mon frère, ma soeur, il faut oublier, tu ne peux pas le faire. Il faut même oublier quoi. Le rhéma est donné seulement par notre intimité avec Dieu. Comprends 1 Timothée 4, 13. Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Il dit quoi? Les élèves, vous savez quoi? Ça veut dire quoi, non? Vous savez ce que ça veut dire, appliquer, s'appliquer à quelque chose? C'est faire la chose très bien. Moi j'ai pas une, pour ceux qui voient, je n'écris pas bien. Quand il est à l'école primaire, applique-toi à l'écriture. C'est pas facile, applique-toi. Il dit ici, applique-toi. C'est la Bible est vraie, c'est la vérité. Jusqu'à ce que je vienne. C'est-à-dire que Paul avait quitté pour un temps qui
Timothée. Il dit, mais jusqu'à ce que je vienne, parce que ne reste pas, n'est-ce pas, dans l'oisivité. Amen. C'est pas bon. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, quand j'étais là, j'ai fait de telle sorte que tu puisses t'appliquer, n'est-ce pas, à la lecture, alléluia, à l'enseignement. Mais fais la même chose jusqu'à ce que applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Mon frère, ma soeur, si tu lis la Bible, toujours, c'est toi qui vas toujours exhorter les gens, alléluia. Tu ne peux pas sortir d'une exhortation. Tu as ça dans ton cœur, ça te brûle. Tu veux partager. Tu trouves quelqu'un en face de toi, tu partages la parole de Dieu. Amen. C'est de ça qu'on entend de parler ce soir. Alléluia. Amen. C'est de ça que nous sommes en train de parler ce soir, mon frère, ma soeur. Ce Dieu-là, il est bon. Je vais prendre encore. Donc, on va arrêter, on va continuer parce que le temps passe. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il faut s'appliquer. L'application, c'est quoi? C'est prier sans cesse. Alléluia. C'est quoi? C'est la Bible sans cesse. C'est être dans la chose de Dieu sans cesse. Moi, quand je suis assis, où on était tout à l'heure, où j'étais assis, je priais. Mais qui savait que je priais? Personne ne savait que je priais. Je priais sans ouvrir ma bouche. La prière silencieuse. La prière puissante. Amen. Quand je conduis, je prie. Ne croyez pas que je prie le matin, je prie à midi, je prie le soir, c'est normal. Mais entre le midi et puis le soir, tu ne pries pas. J'ai écouté un enseignement que ma fille a fait. Lina m'a fait écouter il n'y a pas longtemps, je crois il y a deux jours, sur le pasteur ivoirien pour Mohamed Sanogo. Il dit prie. Prie. Si tu ne veux pas prier, prie. Si tu es mort, prie. Si tu es fatigué, prie. Si tu es malade, prie. Si tu veux fuir, prie. 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 J'ai dit, waouh! Alors, ça, j'ai beaucoup aimé son enseignement. Hein. Prie! Prie! Il dit, c'est ce que ça veut dire. Prie, ça, c'est cela. Tu veux pas? Prie! Amen. Tu as envie? Tu n'as pas envie? Prie! Amen. Beaucoup ne comprennent pas. Il dit quoi? Tu as envie? Tu n'as pas envie? Prie! Tu vas te demander comment? Si je n'ai pas envie, commence à prier, tu auras envie. Amen. Commence à prier seulement, tu auras envie. Il dit, moi ce matin, je me suis levé. Je n'ai pas tenu quelqu'un dans la maison. Hein. Je n'avais pas encore mon enseignement de ce soir. Je me suis lavé. Je suis descendu manger dans la chapelle là-bas. Quand moi j'ai pris, ma fille dit, comment you are so loud. C'est pas un problème. Marie-Grâce dit, that's why you are so loud. C'est bien pour toi. Mais moi j'ai pris parce que je t'aime. Alléluia. Amen. Je suis rentré dans la chapelle. J'ai commencé à prier, crier, prier, prier. Et puis il a dit une phrase de mon maître. C'est mon enseignement. Il dit que. Quand tu pries, fais comme si c'est toi seul qui es là. Alléluia. Les gens n'ont qu'à te regarder dans l'église, n'ont qu'à te regarder. Eux, ils ont des problèmes. Toi, tu connais ton problème. Tu ne vois personne. Vraiment, ce monsieur, c'est un enseignement. C'est un gars que je ne coupe pas comme ça. Mais cet enseignement, je vais l'écouter. C'est la prière. C'est la seule manière d'aimer son Dieu. C'est la seule manière de vivre avec ce Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le rhéma permet à l'homme d'appliquer les lois de Dieu. Amen. 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 Très important. Amen. La connaissance parfaite, la révélation, le rhéma, pas le logos, permet à l'homme d'appliquer, de respecter les lois de Dieu. Amen. Parce que quand je dis, par exemple, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Je viens de lire quoi? Le Logos, dans le Logos, c'est ce que j'ai lu, la parole de Dieu. Mais maintenant, quand j'ai fini de lire et que je suis en train de méditer, alléluia, c'est là que je reçois la révélation. Amen. Amen. Quand tu médites, tu ne parles plus, alléluia. Amen. Mais tu réfléchis, tu penses à ce que tu viens de lire. Je vous assure, il faut toujours avoir un but dans la main. Amen. Amen. Le message viendra. Amen. Tant que tu n'as pas ce message-là, tu ne pourras jamais appliquer la parole de Dieu. La prière sera une corvée pour toi. Alléluia. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'arrive même maintenant. Je ne suis pas fatigué. Je n'ai pas sommeil. Je veux prier. J'ai envie de prier. Je vais m'asseoir à la chapelle.
je commence à prier, je commence à bailler. Alléluia. Automatiquement, je commence à bailler. Je ne suis pas fatigué. Mais quand j'ai dit, je vais prier au nom de Jésus, moi je connais son secret. Je dis, ah bon? Ah bon, c'est moi, tu veux me tromper? Quand je ne prête pas adorer mon Dieu, moi, là, si je connais, tu es vaincu au nom de Jésus, puis je commence à mettre. Et puis après, c'est stable là, c'est stable. C'est stable, tu t'en vas. C'est la prière qui donne nourriture. Quand Jésus dit que je vous donne le pain de vie, c'est de ça qu'il parle. Alléluia. Où tu as une satisfaction intérieure, c'est la prière. Alléluia. C'est cette prière seulement, avec le c'est le rhéma seulement qui permet à l'homme de respecter et d'appliquer le nom de Dieu. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, Esdras 7 au verset 10. Alléluia. Esdras 7 au verset 10. Car Esdras, vous connaissez la parole de Dieu, c'est l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. Au verset 10, car Esdras avait appliqué son cœur. Est-ce qu'il a appliqué sa bouche? Qu'est-ce qu'il a appliqué? Et le rhéma, on entend où? Alléluia! Dans le cœur. Et Esdras avait appliqué son cœur à étudier. Il faut faire quoi? Étudier. Dis encore. Étudier. Alléluia. Étudier. Étudier. Et dit que quand Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Parce que c'est la parole vraiment qui te permet d'étudier et de mettre. Tu étudies d'abord et puis tu puisses mettre la parole en pratique. Amen. Tu rends la parole vivante. Amen. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Mais parce que nos Bibles sont devenues, n'est-ce pas? C'est dans nos bibliothèques, alléluia, rempli de poussière. Amen. Une fois, je partais à Atlanta. J'ai voyagé la nuit quand je vais au travail, en général. J'ai dormi. Je me réveille, on arrive à Atlanta. Je ne vois pas ma Bible. Je dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Je cherche ma Bible. Je cherche ma Bible. Tout le monde descend. Bible, j'ai la Bible, j'ai lu la nuit, j'ai dormi, c'est tombé, où ça y est? Et puis, il y a une femme blanche qui était devant. Elle me regarde. Are you looking for your Bible? Je dis, yes. Elle dit, I got it. This is a well-used Bible. Amen. Amen. Donc, quand on dit des choses comme ça, tu glorifies Dieu. Alléluia. Amen. This is a well, c'est une Bible qui est vraiment utilisée. Alléluia. Amen. Notre Bible là, c'est... Bon, on va passer, on va continuer. Alléluia. Amen. Apprenez à être en contact avec la parole de Dieu. Amen. Apprenons à faire cela. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. À mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Parce que tu ne peux pas enseigner la parole de Dieu sans que tu puisses mettre cette parole en pratique. Alléluia, toi-même. Il avait appliqué son cœur à faire quoi? À étudier la parole et à mettre cette parole en pratique maintenant et à enseigner. Tu ne peux pas enseigner ce que tu ne fais pas. Amen. I'm sorry. Fais-toi attention, tu vois, le jugement sera sévère ce jour-là. Le jugement sera très très sévère. Quand les papas parlent, moi je parle de ça. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Amen. Un jour viendra où nous serons face à face, en face de notre Seigneur. Paul dit dans le livre des Thessaloniciens, ne croyez pas que vous allez dévancer ceux qui sont morts. Non. Parce qu'il y a des gens qui ne mourront pas, alléluia. Amen. Si dans une minute, la trompette sonne, nous on est vivants. Alléluia. Il ne croyait pas que vous allez dévancer ceux qui sont morts. Il dit au son de la trompette, les morts ressusciteront. Vous voyez ce qu'il a dit? Parce qu'il a dit, hein? Les morts, Christ. Les morts en Christ ressusciteront, alléluia, d'abord. Amen. Et avec les morts en Christ qui sont ressuscités, qui sont venus à la vie, d'abord toutes les religions doivent accepter ça parce que et tous disent qu'un jour il y a un jugement. Alléluia. Amen. Maintenant, nous les vivants, alléluia, et ceux qui sont morts en Christ, qui sont ressuscités, nous allons être enlevés, nous allons aller, non pas enlevés, nous allons aller à la rencontre de notre Seigneur. Acclame le Seigneur, c'est le meilleur jour de la vie. Donc tu ne peux pas ne pas appliquer la parole
parole de Dieu, les lois de Dieu, et toi qui viens enseigner, tu n'es qu'un gros hypocrite. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Tu es un hypocrite. Tu es un menteur. Parce que si tu ne l'appliques pas, c'est que tu ne crois pas en cela. Mais pourquoi tu vas enseigner? Voilà quand Paul dit qu'il tenait son corps là. Très dur, il ne s'amusait pas à ça. Amen. Son corps là, amen, il le tenait. Oui. Oui, mon frère, ma soeur. On dit la chair est faible. C'est pas faux. Mais la chair est forte aussi. Allons-y, lis dans le livre de, si je ne me trompe pas, Romains 8, verset 11. Il dit, celui, les fruits de celui qui a. Il dit, que quelqu'un me donne ça. Il dit, si, voilà, c'est ça. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel. Alléluia. Par son esprit qui habite en vous. Amen. Mais ce corps-là ne peut pas faire. Moi, je fuis. Sur la religion à Dabour. Je dis cette histoire-là. Je le dis pour édifier les gens. Amen. Je le dis, il y a des moments. Est-ce que Jésus ne fuyait pas souvent? Il y a des occasions où il fuyait. Alléluia. La fuite pour le Seigneur n'est pas mauvaise. Alléluia. Amen. Quand tu vois qu'il y a une tentation qui arrive, mon frère, ma soeur, faut fuir. Amen. Amen. Lorsque tu es dans l'ascenseur, dans un hôtel quelque part de la place, et que des femmes t'abordent dans l'ascenseur, alléluia, qui veulent presque te violer. Lorsque la porte de la salle s'ouvre, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Oui, tu fuis. Lorsque la femme est en train de couper tes crânes devant toi, qu'est-ce que tu fais? Ne regarde pas. Fuis. Alléluia. Lorsque tu es là quelque part, il y a un objet, c'est pas pour toi la montre là. Tu veux voler, tu veux voler, tu veux voler, tu veux voler. Tire ton corps. Fais quoi? Fuis. Amen. Oui. Fuis, fuis, fuis. Tout ce qui ne confesse pas Dieu. Fuis. Vous croyez que c'est des super hommes? Paul a dit des super hommes. C'est pas des super hommes. Un homme qui avait une douleur jusqu'à la fin de sa vie. Alléluia. Il dit, Seigneur, enlève ça de moi, enlève ça là. Il dit non, ma grâce te suffit. Amen. Ou bien, on croit que le christianisme, quand on vient dans le christianisme, là, c'est la joie. Moi, c'est dans le christianisme que j'ai vécu mes plus grandes tribulations. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque tu es chrétien et qu'on ne te chasse pas là, ton affaire n'est pas claire. Il y a beaucoup de chrétiens que le Satan ne cherche pas, hein, parce qu'il sert, on est ensemble. Mais lorsque tu le quittes en esprit et en vérité, tu deviens son ennemi numéro un. Amen. Satan s'en fout de ton argent. S'en fout de ta beauté, il s'en fout de ta richesse, il a besoin de ton âme. Amen. Si tu comprends ça, si nous comprenons ça, on va fuir. Amen. Amen. On va continuer. Donc, Esdras a appliqué son cœur, c'est-à-dire que le Réma, alléluia, a étudié la parole de Dieu et a mis en pratique la loi de l'Éternel et a enseigné aussi qui, au milieu d'Israël, les lois et les ordonnances. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le chrétien qui croit connaître tout. Amen. Amen. Il croit, il connaît tout. Et les chrétiens, ils connaissent tout. Il te cite les versets bibliques. Amen. Ces chrétiens-là, ils enlèvent beaucoup de substance dans la parole de Dieu. Tout ce que ces gens-là vont te dire, alléluia, tout ce qu'ils vont dire ne reflète pas la parole de Dieu. Amen. Amen. On va prendre seulement un exemple ici. On va prendre. Il dit Luc 11, 52. Luc 11, verset 52. Alléluia. Amen. Luc 11, 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. La clé de la science, c'est la clé de la connaissance.
vous n'êtes pas entré vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le voulaient. Vous avez enlevé la clé. La clé est très importante de le christianisme. La clé, c'est qui? La porte, c'est qui? Pour rentrer dans cette porte, il faut avoir quelle clé? Le Saint-Esprit. Et lorsque, pour rentrer, lorsque tu entres automatiquement, tu as tout gagné. Mais lorsque tu as... Je connais une fille, une demoiselle, qui m'a réveillé un jour vers 2h, 3h du matin. Et puis elle commence à avoir peur. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'une veillée de prière. On dit, ma tante va mourir. On dit, il y a ceci, il y a cela. Je dis, attends, tu viens de où? Une veillée de prière. Et puis tu t'inquiètes. Tu as des problèmes. Est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas d'une boîte de nuit? Elle dit, non, j'étais à l'église. C'était une veillée de prière. Il dit, tu es sûr? Et puis on dit, que quoi, tu vas mourir? Donc eux, ils disent quoi? Il peut venir même pour toi? J'ai dit, lorsque tu quittes la face de Dieu avec les inquiétudes, faisons très attention, posons-nous des questions. Tu ne peux pas quitter la face de Dieu, quelles que soient les sentences que Dieu te donne. Non. Tu ne peux pas quitter sa face avec l'inquiétude, ce n'est pas possible. Amen. Je ne dis pas que la sentence Amen. Sera bonne, non. La sentence sera peut-être mauvaise pour toi, mais si tu crois en Dieu, si le rhéma est en toi, tu ne peux pas quitter la face de Dieu. Tout à l'heure, quand on était chez la dame, la malade, j'étais pressé parce que je ne voulais pas rater l'adoration. Je ne voulais pas rater l'adoration. Mais Dieu n'a pas. Dieu a permis, moi, ce que je vois, n'est-ce pas, que j'entends une petite partie. Dans l'église, lorsque tu quittes ce culte-là, ce soir, la joie doit t'habiter. Amen. 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 Mais il faudrait que cette joie-là continue. Mais pour que la joie soit continuelle, il faut être en constante intimité avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne suis pas... On me voit parler, je n'ai pas mon témoignage, je suis passé. Alléluia, j'étais passé, je suis passé. J'ai fait des mauvaises choses. Mauvaises choses. Quand j'ai connu le Seigneur, mes amis doutaient. Alléluia. Doutaient. Comme lui là. Comme fort. Est-ce que lui là? Mais ces mêmes amis là, quand on parle aujourd'hui, mais tu as goûté au délice comme ça, tu ne nous parles pas. Je dis non, j'étais pas encore prêt. Parce que lorsque tu connais le Seigneur, ça c'est un secret général à tout le monde. Hein. Quand tu n'es pas prêt spirituellement, tais-toi. Applique-toi la parole de Dieu, alléluia. Médite, tais-toi. Laisse les gens, alléluia. Laisse les gens. Amen. Quand tu es dans un avion, on dit lorsque il y a comment on appelle le truc, il n'y a pas l'air, comment on appelle ça? La pression. On dit mettre ton enfant assis à côté de toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre d'abord dans ton visage, n'est-ce pas, avant d'aller dans ton. C'est pas ce qu'on dit. Donc pourquoi? Toi tu es en train de mettre depuis en train de mourir, et que la femme va mourir aussi, c'est la même chose. Si tu n'es pas prêt dans le Seigneur, lis la parole de Dieu, applique-toi, appelle les frères et sœurs, demande, je ne comprends pas, jusqu'à ce que tu puisses être guéri. En ce moment, je n'étais pas guéri, je ne peux pas parler. Alléluia. Amen. 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 Voici des gens qui se font appeler docteurs de la loi, que Jésus-Christ, malheur à vous. Aujourd'hui, est-ce que ça n'existe pas dans l'église? Aujourd'hui, est-ce que ça n'existe pas dans l'église? Voilà pourquoi faites attention à l'église. Je dis toujours, je ne suis pas contre la prospérité, alléluia. Contre la vérité. Je ne suis pas contre qu'un chrétien soit riche. Parce que parmi nous, il faut que les gens soient nantis, alléluia. Amen. Pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Ça, c'est très très important. Je ne suis pas contre ça. Mais faisons attention à ça, alléluia. On dit, il y a trois sortes de renoncement. Vous vous rappelez l'enseignement? Sur ta volonté. Il y a le premier, c'est quoi? À soi-même. Deuxième, renoncement, c'est quoi? Au bien matériel de ce monde. Troisième, renoncer au péché. Alléluia. Donc, renoncer au bien matériel. Il ne te dit pas de ne pas avoir le bien matériel. C'est pas qu'il a dit. Mais de ne pas en faire, n'est-ce pas, une idole. Alléluia.
comme la Dieu. Parce que vous enlevez la clé qui sauve. Parce que vous, vous savez, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui savent que ce qu'ils font est faux. Alléluia. Ils savent. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne devons pas être comme des, en Côte d'Ivoire, comme des bouquis. Alléluia. Quand on dit bouquis, je ne sais pas comment c'est, comment il peut expliquer ça ici, quoi. Je ne sais pas. En Côte d'Ivoire, dans notre français particulier, quoi. C'est-à-dire comme des gens qui sont bêtes. Alléluia. Dans le Seigneur. On ne doit pas faire ça, quoi. C'est-à-dire qu'on doit faire comme les chrétiens de qui de Bé. Pour que les chrétiens de Bé puissent agir comme ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient la connaissance. Dis quelque chose. Est-ce que ça y est dedans? C'est ça là qui est notre autorité. Alléluia. Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Oui, ils ne peuvent pas écouter parce qu'ils souhaiteraient que ce soit faux. Ils veulent changer le réma, la parole de Dieu. Ils veulent dire qu'il n'y a pas la guérison. En ce temps-là, Israël, fait une présentation. Ce n'était pas un aveugle qui voyait et après qui a perdu la vue. En ce temps-là, en Israël, quand quelqu'un est mort et chose est né aveugle, il ne pourra plus jamais voir. Il n'y a aucun miracle qui peut se produire. Donc eux, ils ne comprennent pas comment cet homme-là a pu ouvrir les yeux de cet aveugle-là. Alors on continue. Amen. J'aime vraiment, j'aime bien ce message-là, ce texte-là, quoi. Alors, il répondit. Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voici la phrase qui va fâcher les gens la même fois. Il dit, voulez-vous aussi devenir ses disciples? Non, le jeu est fort. Hein? Il est en train d'évangéliser le docteur. Hein? Il est en train de faire une évangélisation au docteur. Écoutez la suite. Tu vois l'orgueil de la connaissance. Ils croient qu'ils connaissent tout. Ils savent tout. Mais ils ne connaissaient rien. Voici quelqu'un qui n'a pas de connaissances qui est en train de les enseigner ici. Alléluia, on continue. Il dit, voulez-vous devenir ses disciples? Là au verset 27, ils sont tellement fâchés, ils les juraient, ils ont commencé à les insulter. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Vous vous rappelez, Jésus a dit que si vous connaissez Moïse, vous allez me connaître aussi parce que Moïse a parlé de moi. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Donc il dit, nous sommes disciples de Moïse. Verset 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il vient. Mais mes frères pharisiens, mais qu'est-ce que Moïse vous a dit? Moïse vous a pas dit qu'il y a quelqu'un va venir après lui? Moïse vous a dit qu'écoutez-le. C'est pas ce que Moïse a dit. Écoutez-le. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Le logos, c'est dangereux. Le rhéma, c'est la puissance. Alléluia. Amen. Continue. Nous savons que. Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il vient. Cet homme-là a répondu, la vie. Voici l'enseignement de la vie qui commence maintenant. Mais, là, il a répondu. Il est étonnant. Il dit au docteur. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Lui, c'est son problème. Ça, c'est très, très important. Il dit, il m'a ouvert les yeux au verset 31. Maintenant, il va les enseigner maintenant. Nous savons que Dieu nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Comprenez très bien. L'aveugle dit, un homme qui est né aveugle. Si ce n'est pas Dieu, parce que vous-même, vous dites qu'on ne peut pas ouvrir les yeux d'un aveugle qui est né de naissance. Mais vous attribuez ça au péché, donc à Satan. Alors que vos lois disent que Dieu n'exauce pas un pécheur. Qui est en train de leur dire ça? L'aveugle. Écoutez, les enfants vont venir nous enseigner ici, si on ne fait pas attention. Hein? Amen. Non? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Il est en train d'enseigner qui? Les collègues de Nicodème. Ceux qui ont des doctorats, PhD. C'est eux-là qu'il est en train d'enseigner en ce moment. Un homme qui était à la portique, en train de faire des mendiers. Il est en train d'enseigner déjà. Il dit,
Mon frère, ma soeur, c'est une parole vraie. Si quelqu'un honore de Dieu et fait sa volonté, tu seras toujours exaucé. Amen. Amen. Au verset 32, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né. Au verset 33, si cet homme, l'aveugle qui part toujours, l'aveugle en train de l'enseigner, au verset 33, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Amen. Maintenant, mon frère, quand tu es dans le logos, tu vas tout discuter. Tu vas jamais accepter. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Ça, c'est... Et il le chassait. C'est-à-dire que ça... ça c'est... Encore une fois, ça c'est le last. C'est-à-dire que tu n'as plus d'argument. Il n'y a plus d'argument. Moi, je suis archibishop. Moi, je suis docteur. Moi, je suis ton pasteur. Toi, tu es venu. Toi, tu vas m'enseigner aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vos églises. Ça existe, alléluia, aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle là. Ça existe. On ne veut pas. On veut pas. On ne veut pas que les plus petits ne puissent enseigner le pasteur. Ça existe aujourd'hui. Toi, là, tu es né tout entier dans le péché. Nous, là, qui avons des PhD en doctorat. Qui avait le PhD en doctorat de la parole. C'est nous là que tu vas enseigner. Maintenant, quand ils n'ont plus le congé, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ont chassé. Mais regardez la suite. Ils l'ont chassé. C'est de ça que je parle à l'église. Faisons attention, mon frère, ma soeur, d'être humble dans la connaissance que Dieu nous donne. Amen. Même lorsque nous croyons que nous avons la vérité, prenons soin d'écouter, n'est-ce pas, les plus petits. Lorsque quelqu'un m'a dit que j'ai fait un songe, que j'ai vu Gloria, que tu as fait ça, que tu as fait ça, que tu as fait ça, voilà ce que je... voici le message. Ce n'est qu'un message que la personne t'a donné, alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te prier. Ça ne veut pas dire que ce que la personne a vu est vrai, alléluia. Mais si tu pries par un songe, Dieu va te dire que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai. On me dit beaucoup de choses. Des gens que je ne connais même pas. Et puis moi, je n'ai pas honte. Moi, je n'ai pas besoin que je sois un archibishop. Quand je ne comprends pas quelque chose, même aux enfants, je pose des questions. Alléluia. Souvent, je vous pose des questions. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Alléluia. C'est comme si c'est un débat. Amen. On me dit beaucoup de choses. Il y a un verset d'avis que moi, je ne comprenais pas pendant longtemps. Tout péché peut être pardonné, sauf le péché contre l'esprit. Oh, des hommes de Dieu m'ont démontré par A plus B, alléluia. Mais par courtoisie, j'ai dit ok, mais je ne comprends pas. Jusqu'à ce que je tombe sur un autre homme de Dieu. Mais Dieu merci que ce monsieur, c'est un pédagogue. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, bon, commence à lire les versets précédents. C'est lui qui m'a montré ça. Je vais en haut, et puis je commence à lire. Maintenant, je comprends, mais il faut comprendre le contexte du verset en fin de compte. Amen. Et si tu comprends le contexte du verset, tu comprendras ce que le verset veut dire. Alors que quand Jésus, est-ce que par Satan on peut chasser Satan? Parce que Jésus-Christ vient de faire un miracle, alléluia. Et au lieu d'attribuer ce miracle-là à Dieu, on a attribué le miracle à Jésus-Christ. C'est ça qui veut dire le péché contre l'esprit. Faisons attention, les gens font des péchés, font des miracles. Ce miracle-là, c'est un miracle satanique, tu sais. Et que tu es sûr que c'est satanique. Voilà pourquoi j'ai appris à ne plus juger les miracles des gens. Alléluia. Je me tais. Soit même c'est bizarre, c'est douteux. Il ne parle pas. Alléluia. Je ne parle pas. Donc, écoutez la suite. Au verset 35, Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Maintenant, il vient maintenant à la porte. Alléluia. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui il est, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu? Lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. L'aveugle dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui pour l'adorer. Donc, tous ces pharisiens-là, ils ont perdu. Alléluia. Qui a eu le salut en ce moment? C'est l'aveugle. Ça nous rappelle qui? Les dix lépreux. Alléluia. Le seul étranger
samaritain qui se rappelle que c'est Dieu qui l'a guéri, il vient vers Dieu, alléluia, pour dire merci à Dieu. Jésus-Christ, cette phrase-là, ça me fait mal au cœur. Je dis, n'était-il pas 10? C'est seulement un samaritain qui vient et rend grâce à Dieu. Il dit, ta foi t'a pas guéri, hein? Ta foi t'a sauvé. Amen. Le salut. Alléluia. Amen. Parce que l'homme qui croit qu'il connaît, en général, il ne connaît rien. Ne vous laissez pas étourdir par des gens qui vont vous donner les versets publics là. Eh bien, Jean-Paul Gilles dit, tu connais les versets par cœur là. Il récite tout. Faites très attention à ça. Alléluia. Amen. Faites attention à ça. Ça ne veut pas dire que c'est faux, hein. Écoutez seulement. L'homme qui croit connaître tout là, en général, il ne connaît rien. Ne croyons pas que nous connaissons tout, sinon nous sommes des aveugles. Je lis Jean 9, c'est la suite des autres versets là, à partir du verset 39 au 41. Il dit, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point. On a compris, non? Pour ceux qui ne voient? Alléluia. Et que ceux qui voient deviennent, et ceux qui voient deviennent aveugles. Alléluia. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure. Ceux qui voient, c'est qui? C'est ceux qui croient qu'ils connaissent la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu, c'est le logos qu'ils connaissent, ils ne connaissent pas le rhéma. Alléluia. Ils sont en train d'interpréter la parole de Dieu n'importe comment. On continue. Au verset 36, non, pas au verset 36, au verset 40, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ses paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Des pharisiens toujours, alléluia. Ils étaient là, et puis ils ont entendu. Nous aussi, sommes-nous aveugles? Au verset 41, Jésus dit, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que vos péchés subsistent. Le manque d'humilité. La béatitude, vous vous rappelez la béatitude? Heureux les pauvres, en quoi? En esprit, car le royaume de Dieu leur a sorti. Ou bien c'est les pauvres en dollars? Non? Ou bien c'est les pauvres en diamants? C'est les grands diamants, non? On dit les pauvres en quoi? Ils ne parlent pas de la pauvreté ici. Ils parlent d'une pauvreté spirituelle, alléluia. Comment une pauvreté spirituelle, n'est-ce pas, peut avoir le salut? C'est ce qu'il a expliqué ici tout à l'heure. Ça s'apparente à cela. Il dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez point de péché, alléluia. Mais vous dites que vous voyez, voilà pourquoi vos péchés subsistent. La pauvreté en esprit, c'est quelqu'un qui a soif de Dieu, alléluia. Malgré la connaissance qu'il a, il se dit qu'il n'a pas encore la connaissance, alléluia. Il veut toujours avoir la connaissance. Et en ce genre de personnes, l'orgueil n'a pas de pouvoir. N'a pas de pouvoir, alléluia. Le rhéma seul permet que l'homme se donne à 100% à Dieu à travers la connaissance de Dieu. Amen. Le rhéma seul. Et c'est le dernier verset que je vais lire. Et on va commencer à prier. Donc le cœur peut déjà se mettre en place. Alléluia. Les chants de l'Éternel peuvent se mettre en place. Parce que après cela, je vais arrêter. Amen. Pour que nous puissions prier sérieusement. Le rhéma seul permet que l'homme se donne à 100% à Dieu à travers la connaissance de Dieu. Philippiens 3, 8. Gloire à Dieu. Voilà ce que Paul nous dit, c'est un verset très important. Et on peut noter ça. Lorsqu'il y a un problème, vous lisez ça. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Écoutez très bien. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance.
quelle est l'excellence? C'est-à-dire qu'il a reçu le rhéma. Il a compris cette connaissance-là. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme une boue, afin de gagner Jésus-Christ. Quand tu comprends Jésus-Christ, quand tu connais Jésus-Christ, quand tu connais ses attributs, quand tu connais ce qu'il a fait pour toi et pour moi, quand nous connaissons cela, le monde n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Quand tu es en assemblée, tu fermes tes yeux, le pasteur Mohamed Senabo dit, tu es seul dans la salle, ils n'ont qu'à rire de toi, ils n'ont qu'à dire que tu as des dents pointues, que tes dents sont pourries. Toi qui ouvres la bouche seulement, tu pries. C'est tout, il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que tout ce qui est passé. C'est ce qu'il dit, il dit, je regarde comme, il dit, pour lequel j'ai renoncé à, il dit, à tout. Paul était un docteur de la loi, alléluia. Amen. Très jeune, qui pouvait se marier, a fondé une famille. Il dit, je renonce à tout à cause de la connaissance que j'ai reçue. Et je vois tout ce que j'avais, que je peux avoir, comme de la boue. Combien de chrétiens sont prêts à le dire? Renonçons à tout. Renonçons à tout. Dieu s'occupe de toi. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de tout. Est-ce qu'on croit à ça? Pour arriver au niveau de renoncer à tout, comme Paul le dit, et Paul, on l'a chicoté. Il n'y a pas de juste à Los Angeles dans le domaine du travail. Je voulais manger un pollo loco, j'aime ça très bien. Et je vois deux blancs qui étaient à côté de moi. Ils sont arrivés. Et ils se sont attrapés la main. Et puis ils ont commencé à prier à haute voix. J'étais là comme ça. Si les messieurs n'ont pas honte de Dieu, si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous devant le Père. Amen. Ils ont commencé à prier, deux blancs. Mais quand ils ont fini de prier, je ne peux pas me taire. Moi, ma bouche, c'est quoi, bateau, ça doit parler dans le Seigneur. Comme est-ce qu'on est Congo, ça là, de Jésus-Christ là, c'est la bouche là, il fait ça. Il dit, je me suis tourné vers lui comme ça. J'ai dit, hé, hey, mon ami, tu te rappelles ce que vous avez fait tout à l'heure là? Lorsque Paul, je sais pas, il était dans quelle ville et puis il rentrait et on l'a accompagné au navire, au port. C'est comme on t'accompagne à l'aéroport. Amen, non? Amen. Arrivé à l'aéroport, tous ceux qui l'ont accompagné se sont mis à genoux. Puis ils ont élevé la voix. C'est des gens qui n'ont pas honte de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui ont honte de Dieu. Quand dira-t-on? Quand dira-t-on? Ton âme est sauvée, ils n'ont qu'à dire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Voyons tout comme la boue. Je ne vous ai pas dit d'aller prendre votre argent pour donner pour distribuer. C'est parce que j'ai dit alléluia. Non, 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 non. Je paye mon loyer quand même. Alléluia. Je paye. Amen. Mais que l'argent n'ait pas de pouvoir sur nous. Amen. Non. Amen. Ce que tu peux faire, il faut le faire. Il faut aider l'église. Lorsqu'on nous tombe dans l'église, il faut aider à payer la salle de l'église. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est l'édifice qu'on a. On n'est pas nombreux. Parmi nous, il y a beaucoup d'étudiants, alléluia. Amen. On doit donner, amen. On ne prêche pas l'argent ici, amen. Pas du tout. Mais le salut, par la connaissance, par le rhéma, tu peux arriver à ce niveau-là. Sans le rhéma, tu as pris ta Bible, tu as lu, tu ne comprends pas. Je ne comprends même pas que tu dors. Oui, tu dors. Il faut avoir cette communion avec Dieu. Amen. J'aime Jésus-Christ. Je ne suis pas né chrétien. Je suis né quelque part d'autre. Je suis né musulman. Alléluia. Mais quand j'ai découvert ce Jésus-Christ-là, ça c'est le vrai Dieu. Amen. Ça c'est le vrai Dieu. Il n'y a pas un autre qui est au-dessus de ce Dieu-là. On va s'arrêter. Merci.